Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 39 de Au coin du DVD. Épisode 39 donc consacré à la lettre T. Et dans la lettre T, j'ai vraiment de tout. Genre j'ai Ted, de Seth MacFarlane, que j'aime énormément parce que c'est un pur délire et qu'on se marre bien. J'ai 30 l'héritage. Qui est un film que j'apprécie beaucoup, mais j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, donc ça ne servait à rien de l'évoquer ici. J'ai The Mask, alors The Mask, je pourrais en parler des heures et des heures et des heures, tellement je connais les répliques par cœur de son métrage. Mais du coup, j'ai décidé de me pencher sur une œuvre d'action assez particulière. Une œuvre d'action qui prend place au Brésil, qui est réalisée par un metteur en scène qui, par la suite de sa carrière, euh, a malheureusement pour seul grand fait d'arme d'avoir réalisé le remake de Robocop considéré par beaucoup comme étant une énorme purge. Pour moi personnellement, je le trouve pas inutile, mais en même temps pas totalement réussi. Il tente quelque chose, mais sans plus. Mais du coup, je vais me pencher sur le long métrage qui lui a permis justement de décrocher la réalisation de Robocop. Un long métrage d'action qui, pour moi, a été une sacrée claque lorsque je l'ai vu. Je me rappelle avoir découvert le film par le biais d'articles en fait que j'avais lus dans première et dans ciné et à l'époque en fait ils étaient très mitigés il y en avait certains qui disaient que c'était un renouveau du cinéma d'action et il y en a d'autres qui considéraient qu'on n'était pas loin du nanar complètement con et pas vraiment malin dans sa construction mais personnellement lorsque j'ai découvert troupe d'élite de José Padilla et eh ben j'ai vraiment été surpris par le style du metteur en scène, qui prouve de manière assez intelligente euh, qu'il est non seulement un grand metteur en scène d'action, mais qu'il sait aussi critiquer quelque chose qui malheureusement est encore d'actualité aujourd'hui. En gros, le pitch pour faire hyper simple on est en 97, euh, les cartels contrôlent les favelas et on va suivre les BOPE, qui est un groupe d'intervention spéciale de la police, qui essaie de s'en sortir contre cette guerre qui malheureusement bah, ne semble ne pas vouloir en finir. Euh, le pitch est assez simple parce que le but, c'est avant tout de nous plonger, euh, de 1 dans les favelas, de 2 de, de, de créer quelque chose de très immersif et de très intense, et de 3 surtout de créer quelque chose de réaliste. Et c'est ça en fait qui fait la force de la mise en scène de Rosé Padilla sur ce long métrage. Je dis pas que par la suite de sa carrière, il a malheureusement cédé à de nombreuses facilités, mais à l'époque, lorsque Troupe d'élite donc est sorti, il y avait un vrai engouement autour du long métrage parce qu'on sentait que le cinéaste avait envie de proposer. Une vision du cinéma d'action qui soit très brutale. Et le film se veut être dans la pure lignée, par exemple, pour citer un film qui vient à peu près de cette période-là et de cette région-là, La Cité de Dieu, qui est un film d'action euh, assez brutal, avec une image très cinglante. Fernando Meirelles étant un cinéaste qui sait comment se servir de la caméra à épaule et qui sait surtout comment rendre l'image violente, dure et presque insoutenable par instant pour le spectateur. Et Rosé Padilla se veut vraiment dans la même mouvance que le cinéma de Fernando Meirelles. C'est avant tout un cinéma qui se veut brut, qui se veut sensoriel, qui se veut vraiment, vraiment, vraiment dur par instant et troupes d'élite ne dérogent pas à cette règle et c'est ça en fait qui fait la force du long métrage parce que si on devait s'attarder sur le scénario si on devait s'attarder sur les acteurs si on devait s'attarder sur la profondeur du script euh, sur l'intensité tout simplement du long métrage au fur et à mesure qu'il avance eh ben on se rendrait rapidement compte que ben c'est pas que c'est grossier mais on est sur du cliché et sur de la facilité et du coup si on devait s'attarder que sur ça, bah, on se rangerait, par exemple, du... au même niveau que les critiques américaines qui, lorsque le long-métrage est sorti, ont considéré que c'était vraiment un gros bousin. Hein. Vous allez vous marrer, mais allez jeter un petit coup d'œil sur la page IMDB de Troupes d'élite. On n'est pas loin de l'assassinat, hein. c'est assez violent. Mais en France, le film a eu un joli écho, il a plutôt bien marché, il a réussi à trouver son public, ce qui a carrément permis au long-métrage quand même de se permettre d'avoir une suite. Qui, elle, pour le coup, est pas très bonne, soyons sincères, c'est vraiment pas très bon, mais... À l'époque, quand c'est sorti, en 2007, Rosé Padilla, il a quand même réussi à mettre une énorme claque à pas mal de gens avec ce long métrage. Et même encore aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation que c'est un cinéaste qui avait envie de faire ses preuves, en fait. Et de nous montrer qu'il était capable non seulement de mettre en scène de l'action, mais surtout de le mettre en scène de manière très intelligente. Et surtout de faire en sorte que cette action, il a un vrai impact sur nous. Et mine de rien, je trouve que ça a eu une vraie influence sur pas mal de, de longs métrages, même de séries télé dernièrement. Je pense que sans un film comme Troupe d'élite, ben. Je ne dis pas que ça y ressemble, mais je pense que Narcos aurait eu plus de difficultés à imposer un style. Et pour autant, je trouve que Narcos emprunte beaucoup, beaucoup d'éléments à Troupe d'élite et au cinéma de Rosé Padilla. Et c'est dommage que ce cinéaste n'ait pas réussi plus que ça à percer aux États-Unis, parce que je pense qu'il aurait vraiment pu apporter quelque chose de très fort au cinéma d'action. Bon. Et il a su apporter ce qu'il a su apporter à Robocop. Malheureusement, c'est pas grand chose. Mais mine de rien, ouais, Troupe d'élite, ça reste quand même un film qu'il qu faut voir pour comprendre un petit peu comment le cinéma d'action peut réussir à toucher d'autres genres et surtout d'autres styles que le style à l'américaine ou le style à l'anglaise ou un peu le style à la française. Et ouais, ça marche, Troupe d'élite. C'est pas toujours très juste, c'est pas toujours très intense, mais ça marche. Et alors, par contre, euh, ne cherchez pas à avoir des bonus sur ce long métrage. Euh, ça n'existe pas, j'ai l'impression. C'est très compliqué. On voit très peu d'images de making-of, à part sur Internet. Sur le DVD, il n'y a quasiment rien. Il n'y a que le film. Et c'est tout. Ce qui est quand même saisissant, parce que on se dit qu'un tel projet, ça, ça devait être impressionnant à tourner. Après, on sait les conditions dans lesquelles ça a été tourné. C'est-à-dire, c'était vraiment en mode guérilla et c'était limite presque clandestin, en mode, faut pas qu'on se fasse gauler. Mais... C'est triste ouais, qu'il n'y ait pas du tout de making-of ou, ou d'éléments comme ça à se mettre sous la dent. Il y a juste quelques images, des interviews de Rosé Padilla à gauche et à droite, mais il ouais, n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais vous l'aurez compris quand même, troupe d'élite de Rosé Padilla, c'est un film qui vaut clairement le coup d'œil. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, ou si vous avez l'occasion de, de le regarder tout simplement, bah allez-y parce que vraiment je pense que c'est un film qui est un petit peu malheureusement tombé dans l'oubli, alors que pour le coup à l'époque ça avait été quand même très marquant, et même encore aujourd'hui ça reste un film d'action qui sort vraiment des gonds. Et c'est un film que je vous recommande chaudement de voir. Et bien voilà, ainsi s'achève cet épisode 39 de Au Coin du DVD. Et comme d'habitude, si vous avez déjà vu le film, si vous comptez le voir, si vous vous dites qu'à un moment, il va se retrouver dans votre lecteur de DVD, par pur hasard, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Évidemment, je le lirai comme d'habitude. Et bah d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.